Êtes-vous un amoureux du vélo? Êtes-vous désireux d'en apprendre davantage sur les groupes ethniques vietnamiens? Si oui, alors une balade à vélo à travers la province septentrionale de Cao Bang peut satisfaire tous ces désirs. Heather est l'une des 20 touristes étrangers participant à une randonnée à vélo dans le district montagneux de la province de Cao Bang. Elle a été profondément impressionnée par le paysage magnifique de la localité du Nord. Pour les touristes comme Heather, la visite les amène non seulement à se rapprocher de la nature, mais aussi à aider les populations locales. J'aime bien voyager. J'apprends beaucoup de choses au contact des habitants locaux et je suis très excitée de voir des paysages qui n'existent pas dans mon pays. Il n'est pas facile de gravir les routes de montagne, notamment du fait des pentes ou de la mauvaise qualité des routes, mais cela n'empêche pas les touristes de profiter de la vue merveilleuse et de visiter les villages de métiers traditionnels des ethnies Nung et Thaï. Ah, je suis très heureux de participer dans ce tour parce que je pense que c'est une occasion très spéciale dans cette région d'être très proche avec les ethniques minorités. À Cao Bang, c'est très intéressant, il n'y a pas d'autres tours dans ce métier similaire. Je souhaite accueillir plus de touristes pour leur présenter la fabrication du papier dans mon village. Ils achètent nos produits, contribuant ainsi à améliorer nos moyens de subsistance. Les activités touristiques dans les villages encouragent également la population locale à la protection des ressources naturelles et au développement du tourisme communautaire, contribuant à améliorer ses revenus. En 2017, Cao Bang a accueilli plus de 950 000 touristes, soit une hausse annuelle de 28,5%. Un tel service de tourisme respectueux de l'environnement est nécessaire pour aider Cao Bang à développer le tourisme de manière durable et à devenir une destination idéale pour les touristes vietnamiens et étrangers.